Je ne sais pas si vous m'entendrez clairement, j'espère que oui. Je suis actuellement dans la salle de bain chez mes parents puisque je suis retournée vivre chez mes parents. Je vous en dirai plus tout à l'heure, un peu plus tard. Pour l'instant, mon père dort donc dans sa chambre à l'étage, là, pas loin. C'est pour ça que je chuchote. Je vous ai fait pour la première fois, c'est un peu un get ready with me, mais il y a juste comment je lave mon visage. Si j'ai l'air aussi bouffi, c'est normal. J'ai pris pas mal de poids à cause de mon problème à la thyroïde, de mon hypothyroïdie, enfin mon hyperthyroïdie apparemment est bien partie. Et maintenant je suis en hypo. J'ai pas encore vu le spécialiste par rapport à ça, je vous en ai pas encore parlé, ma vidéo à ce sujet n'est pas encore sortie. C'est normal. C'est compliqué et ça je vous l'expliquerai dans la vidéo exprès. J'avais vraiment envie de reprendre un peu la caméra, de m'y remettre étant donné les circonstances. Je me suis dit que ça m'occuperait entre deux, sachant que je suis à distance, j'ai quand même pas mal de choses à faire, mais voilà. Et sinon, vous le verrez pas très très bien là, et en plus il faut que je me lave les cheveux, mais je suis plus rousse, j'ai totalement refait une nouvelle couleur. Alors j'ai eu de la chance parce que au niveau du timing je l'ai fait la semaine juste avant qu'on commence le confinement en France. Je vous le montrerai mieux plus tard hein, mais ne soyez pas étonnés par cette transition donc entre les vlogs 12-13 et celui-ci qui est donc le début du vlog 14. Ah, je crois que je ne l'ai pas dit. Il est actuellement 9h42 et on est le 1er avril 2020, pour vous situer à peu près. Oui, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas pris la caméra. J'ai mis énormément de temps à faire le montage du vlog numéro 12 parce que pour plusieurs raisons, je m'y mettais, le logiciel arrêtait pas de planter, les clips vidéo arrêtaient pas de planter après avoir mis 15 minutes à charger. Bref, c'est assez hectique. Ouais, vous voyez, je pense. Ton vlog numéro 13, c'est plutôt un mini vlog. J'ai pas voulu le compléter, c'était trop. J'entends du bruit, je vais vous laisser. À plus tard. Me revoilà pour ce second clip. Alors, on n'est pas le même jour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril 2020. Il est 19h20, bientôt. Là, vous voyez beaucoup mieux mes cheveux parce que je les ai lavés. C'était quand? C'était hier. Je crois que c'était hier. Je me suis dit que j'allais profiter du fait que mes deux parents ne soient pas à l'étage pour vous faire un petit room tour. Donc c'est ma chambre qui correspond en fait à mon nouvel appart, on va dire ça comme ça. Je vais vous montrer comment je me suis installée dans ma chambre. Alors, donc, si on se met au niveau de la porte d'entrée, alors ça c'est ma boîte à outils, au cas où, à portée de main.
Ça, c'est l'espace de mon chat. Donc, pour sa laitière, j'ai tout remis ici, étant donné que tout doit être dans une seule pièce. Je m'éloignerai, mais vous avez en premier mon espace bureau. Là, elle est cachée, mais tout ça, c'est l'espace un peu bibliothèque et puis télé, jeux vidéo, la fenêtre. Ça, je vous déconseille de le faire si jamais il y a du poids dans ce que vous souhaitez accrocher. Moi, là, il est tout léger, c'est un tout petit sac à main, il y a que deux papiers dedans, plus des mouchoirs, donc ça va, mais sinon, attention. Cette masse informe, c'est pas à moi, c'est à mes parents et on a dû recouvrir parce que c'est de la paille et que mon chat adore ça. Il a fait deux énormes trous, il a complètement pété en fait le coffre, donc voilà. Ça, c'est ma bibliothèque que j'ai vachement bien arrangée. Avec juste ici, ça c'est tout un rack en fait pour mon chat. Et là c'est mon rack pour les cours. Je vais m'approcher, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Ça c'est pour mon mémoire, ça c'est pour mon mémoire, ça c'est pour mon mémoire. Tout ce tas-là, ça c'est pour mon mémoire aussi. Ces trois enveloppes et cette montagne-ci, ce sont mes cours. Là c'est stock de cours, stock de papier, ça c'est un cours, ça c'est un cours, ça c'est un cours. Et sinon, bah voilà, c'est bon là-bas c'est du stock. Puis il y a mon armoire. Voilà pour le tour. Et je crois que je suis en train de déranger mon chat parce qu'il est caché dessous. Il adore se mettre dessous. Si vous avez des chats ou si vous en avez eu, j'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous aussi ils adorent se cacher comme ça. Sachant que mon chien fait exactement pareil à l'étage en dessous. Je trouve ça trop marrant. Ou alors c'est juste parce que ce sont mes animaux. Oh, coucou pour ce nouveau clip du vlog 14. Alors aujourd'hui, on est dimanche 5 avril et il est, j'aime bien vous donner l'heure, il est 11h03, donc j'ai mon téléphone qui est juste ici en train de finir de se recharger. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais filmer cette petite suite et vous donner toutes les fameuses explications que vous attendez, je pense. Certains en privé sont déjà au courant, mais d'autres non. N'oublie pas de faire la vidéo sur mon état de santé. J'ai pas encore commencé le montage, mais j'ai déjà deux clips, deux ou trois clips ou des prémices en fait, où je vous résumais le début de tout ce qui s'était passé. Mais elle va mettre du temps à sortir car il me semble que je l'ai déjà dit dans un autre vlog, je sais plus. Mais j'ai pas encore toutes les infos, j'ai pas encore toutes les réponses. J'en aurai certaines courant avril. Mais voilà, elle est en cours. Et j'ai aussi une autre vidéo, une idée, je ne l'ai pas encore tournée. Mais si ça vous intéresse, je tournerai une vidéo qui sera beaucoup plus courte que les vlogs habituels, ne vous inquiétez pas, sur l'utilisation de la fameuse culotte de règles. Pour les explications, par où commencer? Faisons dans l'ordre le service civique. Vous avez eu le début où je vous ai dit donc que j'allais chercher un service civique. Ensuite, je vous ai dit que je l'avais trouvé. Je vous ai un tout petit peu parlé du début du service civique. À la base, dans le vlog numéro 13, je devais vous en parler. Non, pas 13, pardon. Dans le vlog numéro 12, j'avais tout un clip d'une demi-heure, littéralement, où je faisais que blablater pour vous raconter en détail quelles étaient mes missions, les missions que j'avais déjà faites à ce moment-là, toutes celles qui étaient à venir, etc. Finalement, j'ai fait le choix au montage de couper totalement cette partie. Je me suis dit, étant donné que je n'ai fait qu'un mois, ça ne servait à rien de vous expliquer tout ça. J'ai préféré l'enlever. Alors, si certains sont curieux, ou certaines, de savoir plus en détail ce que je faisais, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir en détail à ce moment-là, mais ce ne sera pas dans un vlog. Je peux quand même vous résumer, donc j'étais en service civique de 24 heures par semaine à Metz, en sachant que j'habitais à Nancy, je devais faire les trajets tous les jours, il y avait le train aller-retour tous les jours, enfin 5 fois par jour, 4 à 5 fois par jour, plus une fois que j'étais arrivée à la gare, il fallait que je prenne un bus, soit le Métis, soit une autre ligne de bus.
Et ça mettait à peu près 15-20 minutes en général pour aller me déposer à l'arrêt proche du boulot. Et après, il fallait finir à pied. C'était 5 minutes à finir à pied. Le temps de trajet était déjà énorme. Autant je serais... Je n'avais pas les études à côté. Si je n'avais pas mon année de master à côté, pas de problème. J'aurais largement, je pense... Enfin, pas largement... J'aurais fait ça, j'aurais pu supporter sans trop de problèmes de faire les trajets aller-retour et de faire le service civique, et j'aurais adoré faire le service civique jusqu'au bout, bien évidemment. J'étais vraiment fière, heureuse de faire ce service civique, et l'équipe était géniale, les missions et la majorité étaient quand même très intéressantes. Mais voilà, on va dire que j'ai cumulé... sur ces mois-là, donc novembre, décembre, ça se chevauchait en fait, novembre et début décembre. Je me suis aperçue en arrivant au mois de décembre, je voyais le temps se réduire pour mon master. Il me restait plus beaucoup de semaines, il restait plus que même pas un mois pour que je finisse tous les dossiers que j'avais à finir. À ce moment-là, si je me souviens bien, je crois que j'en avais encore 3 ou 4. J'avais encore 3 ou 4 dossiers à finir début décembre. Et ma situation financière aussi, en plein milieu du service civique, a totalement changé parce que le CROUS, à ce moment-là, a finalement percuté que j'avais déclaré, puisque je suis honnête, j'avais déclaré que j'avais basculé dans un master à distance. Il y a eu depuis, alors je pense que la loi elle a changé cette année en fait pour la rentrée 2019, parce que j'étais pas au courant avant. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé que pour tous les étudiants qui étaient à distance, ils ont enlevé ce qu'on appelle les points de distance dans le calcul de vos bourses. Pour ceux qui connaissent pas, il y a énormément de données qui sont prises en compte quand le CROUS calcule votre échelon de bourse. Et j'ai perdu à cause de ça, j'ai perdu 3 échelons. Je suis tombée de 3 échelons, ce qui est quand même énorme. En fait, tous ces cumuls, c'était beaucoup, sachant qu'à ce moment-là, donc j'ai dû aussi payer les fameux 360 euros de frais scolaires, donc l'inscription pédagogique à distance. Même si vous êtes boursier, vous êtes obligé de payer quand même votre formation, le master. Donc là, moi en l'occurrence, mon année de master. Tous ces cumuls de frais, mon état de santé qui était en rémission, j'étais en train de me remettre, mais j'étais énormément fatiguée, le voyage, j'étais énormément stressée. Il y avait énormément de frais financiers à avancer, je commençais à m'inquiéter par rapport à mon loyer, et tout s'est accumulé. J'ai commencé en fait à perdre pied, à perdre ma motivation, je dormais mal, j'angoissais tout le temps, c'était vraiment la cata. Il y avait d'un côté tout ce stress financier cumulé avec la fatigue, avec le temps, les études, et j'ai pris la décision en commun avec mes parents, et j'ai pris la décision commune en fait avec tout ça, d'arrêter mon service civique. Alors si jamais vous êtes dans une situation similaire, pour des raisons différentes, mais que vous souhaitez arrêter le service civique, à partir du moment où vous n'avez pas fait 6 mois de service civique, c'était mon cas, j'avais fait que 1 mois et une semaine à peu près, ou 2 semaines, vous pouvez arrêter d'un commun accord, il faut que ce soit d'un commun accord avec l'entreprise bien évidemment. Mais si tout est ok pour tout le monde, vous pouvez arrêter et vous avez le droit de faire un nouveau service civique. C'est comme si vous repreniez à zéro, ça, il n'y a aucun souci. Et aussi à ce moment-là, donc, qu'est venue la question du déménagement. Par rapport à toutes ces questions financières et le fait d'arrêter le service civique finalement en ayant des échelons comme ça en moins, de toute façon, on s'était dit avec mes parents, c'est pas possible. Ça va pas être gérable non plus de garder l'appartement, alors ça fait chier, hein, très clairement, je vais être honnête avec vous, ça fait chier parce que vous avez pu le voir dans mes tout premiers vlogs dans mon nouvel appartement, j'étais vraiment ravie de cet appart, la proprio était super compréhensive, j'avais une bonne communication avec elle même si c'était à distance puisqu'elle était à Lyon, moi à Nancy. Je suis quand même triste d'avoir quitté Nancy, on va pas se mentir, hein, on va pas se le cacher. C'est une ville qui restera, je pense, dans mon cœur. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé vivre à Nancy. J'ai rencontré des gens extraordinaires dans la région Lorraine. Et voilà, c'était...
C'était toute une expérience, mais finalement, on a décidé donc que le déménagement ne pouvait pas attendre. Tout s'est précipité, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, je suis remontée donc pour le nouvel an et jusqu'à mi-janvier, je suis remontée dans mon appart à Nancy parce qu'il fallait que je passe mes examens en présentiel. Donc, à ce moment-là, en fait, on était en train de finir de voir comment on allait faire pour le déménagement. J'ai littéralement passé les trois semaines à ce moment-là. J'ai juste révisé, je crois, les 5 derniers jours ou la dernière semaine avant mes partiels. Et sinon, tout le reste du temps, du premier jour où je suis revenue, jusqu'à la veille de mes partiels, je me suis occupée de faire mes cartons, littéralement. J'ai fait que des cartons tous les jours. J'étais épuisée et... D'ailleurs, quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu le contre-coup en fait de tout ça, de toute la pression, toute la fatigue accumulée. Et en même temps, j'ai eu sur tout le mois de janvier et la première semaine de février, mon état de santé qui s'est de nouveau complètement dégradé parce qu'en fait, ma thyroïde était en train de péter les plombs suite au traitement que j'avais fait. Donc à ce moment-là, on s'est dit de faire appel à un critère dans la loi, je ne sais pas si vous le connaissez, mais dans la loi, quand vous louez un logement non meublé, vide, normalement le préavis c'est 3 mois, mais vous pouvez le réduire à 1 mois pour plusieurs raisons, et il y en a un, c'est état de santé. Donc on a fait appel à ça pour moi, demandant à mon CHU, donc à Nancy, ceux qui me suivaient, un courrier expliquant, donc avec le secret médical bien évidemment, mais en expliquant que pour raison de santé, j'avais besoin de quitter l'appartement au plus vite pour me rapprocher de ma famille. Et heureusement que j'étais avec eux honnêtement sur cette période-là, parce que je sais pas comment j'aurais fait sinon. Mes parents ont vraiment été d'un énorme soutien, et le sont encore. C'est comme ça qu'au final, j'ai fini par déménager mi-février. Je peux vous dire que ça a été toute une aventure aussi. Je remercie encore une fois du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont aidée à déménager la première fois en août et qui m'ont aidée après, celles et ceux qui m'ont aidée de nouveau en février, notamment toi Léa, je sais pas si tu verras ce vlog, peut-être jamais. Mais tu m'as aidée les deux fois et je t'en suis reconnaissante du fond du cœur. Et je suis extrêmement reconnaissante aussi à Laurent qui m'avait aidée la première fois. Et à Chloé, que je connaissais à peine depuis 2 mois et qui est quand même venue depuis 1 heure en voiture exprès pour m'aider à déménager. Merci, merci, merci. Alors, depuis que j'ai déménagé, donc je suis chez mes parents. Je vous ai montré déjà dans les clips précédents, je vous ai fait un petit room tour pour vous montrer mon nouvel environnement. Je suis actuellement dans ma chambre d'ailleurs. J'ignore pour les vlogs comment ça va se passer, là je tenais quand même à vous montrer un peu, faire un petit update, hein, il fallait. Je vous montrerai mon chat après. Mais étant donné que j'habite chez mes parents pour l'instant et aussi pour l'année qui va venir, là la deuxième année, je ne vais pas pouvoir faire les vlogs comme j'avais l'habitude. Déjà parce que la plupart du temps ici, je suis dans ma chambre, sur mon ordinateur ou sur un livre. Au niveau de l'espace, c'est un peu compliqué à vous montrer. Et au vu de la situation actuelle, donc du confinement, il n'y a pas grand chose en fait que je puisse vous montrer. En plus, là, moi j'ai fini mon semestre. Enfin, pas exactement. On doit rendre tous les dossiers demain, le 6 avril. Moi, je les ai déjà rendus, c'est bon. J'ai vérifié 1 milliard de fois que tout était OK. Et en fait, jusqu'au 28 avril, le 28 avril, non, ce sont mes écrits normaux. Je vous tiens au courant et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. J'ai failli oublier de vous montrer mon bébé, le pauvre. Voilà. Nouvelle dédicace à Lucille, je sais que tu regardes et que t'adores le voir. Alors voilà mon bébé. Coucou câlin. Tu veux dire quelque chose? T'es fatiguée, hein? Voilà, maintenant c'est la vraie fin de ce vlog sur mon bébé. A plus tout le monde.